Parce que vous avez beaucoup cité, ça fait déjà la troisième fois qu'on parle de 2021 et si on est hanté par ça ou pas, c'est même les termes utilisés. Non, c'est pas ça le football, c'est pas ça le sport de haut niveau. C'est rebondir à chaque fois qu'on est, se relever à chaque fois qu'on tombe, c'est ça le sport. C'est pas tous les jours pleurer sur son passé ou sur un passé qui a été peut-être douloureux ou rester dans une euphorie sur quelque chose qui a été sur un succès par exemple. On se sert de ça, des uns, des autres, des différentes expériences pour avancer. Mais comme ça, énumérer à chaque fois passé, ça c'est pour vous, c'est vous qui avez envie de le dire. Nous, on se sert de ça, il y a une expérience à prendre, bien sûr. Le parcours qualification pour arriver ici est suite directement à ce que vous appelez voilà, les choses qui sont assez mauvais moments. Il est quasiment parfait. Seule équipe de ce continent à avoir pris 16 points. Et entre guillemets, si on aurait voulu, parce que pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, je pense que les journalistes algériens comprendront, si on aurait voulu, on aurait pu faire même le plein de points dans un truc, ce qui est souvent rare déjà dans le continent africain. Et en tout cas, pour cette campagne de qualification, c'est sûr qu'on aurait été les seuls à avoir fait le plein de points. C'est un peu une preuve d'une équipe qui se relève. Maintenant, je vous dis, oui, on sert des différentes expériences, mais pas que les mauvaises expériences. Toutes expériences sont bonnes à prendre. Pour les sportifs de haut niveau, ils comprendront ça. Tu tombes, tu te relèves, tu regardes vers l'avant et t'avances.